Re les pinous et coucou YouTube, j'espère que ça va toujours. On se retrouve pour la deuxième partie sur Supermarket Simulator. On est reparti. Je me fais un chocolat d'abord. Ah merde, la chaîne et ne rien louper. Il est important de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche et de suivre la chaîne Twitch et pourquoi pas de vous abonner pour me permettre de produire du contenu de qualité. Allez, une petite pub gratuite. Comment on fait pour l'enlever ? Là. Là. Alors, petit chocolat avant de commencer. Le café de tout à l'heure, il était vraiment trop bon. Je m'achète une petite corbeille pour mettre les capsules usagées. Allez, on est bon. Petit chocolat. Et on est parti. Alors, le beurre de cacahuète. Et le sucre Pablo, qu'il faut changer les prix. Ah bon? Prix du marché? Ah bah oui. 12, 23. Évidemment. Voilà. Alors, il va se poser la question de la licence là aujourd'hui. Alors, il me faut des œufs par 4. Un d'eau et un de lait. Un comté, un parmesan, un mozza. Comté, un parmesan, un mozza. Un pack de lait, un d'huile de tournesol,
2 de riz, 1 de sel, 1 de pâte. 2 de riz. Un bonbon, un chocolat, un Pablo. Un jus de pomme. Deux de pain, deux de farine rouge, un jus de pomme, deux pains. Deux de farine rouge. Allez, un de farine bleue. Un café, un thé. Un café, un thé, un beurre de cacahuète, deux de miel. Un crispy chibi, un bon papa, ben un de chaque quoi. Merde. Bon bah pas de PQ, un de shampoing, un de savon, un de javel, un shampoing, un savon, un javel. Et un pastille lave-vaisselle. Allez, je tente. J'ai plus de sous. C'est la merde.
Yuzixa. Ah, c'est les patates. Les patates! En pastille la vaisselle. Waouh. Des nouvelles céréales que je peux pas mettre avec les autres céréales. Ah, le poulet. Ah, encore du poulet. Oups. Je suis folle de laisser un carton comme ça en plein milieu. C'est déjà à moitié la gerbe pour moi, alors si je les mets en plein milieu en plus. Café. Des patates. Encore des patates. Pardon. Apportez céréales. Des frites. D'accord. Ça
un demi encore. Encore des frites. Allez, les surgelés en plein soleil. J'avais jamais remarqué, c'est du savion. C'est du savon savion. Le sucre Pablo. Ça se fait bien quand même le rangement. Surtout maintenant que j'ai des rails de stockage, c'est vachement bien. Il n'y a plus grand chose qui est en dehors des rails. Donc ça va encore quoi. Des œufs. De la pizza. Le présentoir est plein. D'accord.
a une merveilleuse nouvelle. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a ça de nouveau. Là, on n'a rien de nouveau. Ça, c'est simple. On a le beurre, les céréales, je ne les ai pas mis en rayon encore. Le poulet, tout ce qui est dans les congélateurs. Les pommes de terre, je les ai mis, j'ai mis le prix. Ça marche, Jeff. Une bonne nuit à toi et à très bientôt. La fatigue me tue à petit feu. Ouais, bah moi c'est pareil, je suis fatiguée. Je sais pas encore si... Je sais pas si je vais faire plus que 2 VOD ce soir. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Donc là c'est bon. Et là, pour le moment, j'ai pas mis de nouveauté. Des pommes de terre encore! Des pâtes. Allez, il y a bientôt plus de cartons.
va mon chat? Bon, c'est pas encore clean, hein, mais bon. Ouais, mais ça, j'ai plus de place, quoi. Bon, du coup, ça, on range. Ça, c'est par 12 du coup. Ok. Il me faut un congélateur de plus en fait, grosso modo. C'est ça ce que le jeu est en train de me dire, c'est qu'il me faut un congélateur de plus, donc. En sachant que je n'ai pas la place. Puis j'ai pas l'argent non plus. Par contre, les poulets, c'est abusé, quoi. Alors, bah ma foi, on va pouvoir lancer. Hein. On a plus grand, on a plus beaucoup de rayons de vide. On a que, on peut accueillir deux produits là, et c'est tout. Bon allez, on ouvre.
J'ai pas regardé c'était quoi la prochaine étape. Encore du fromage. Bon bah il faut carrément agrandir quoi. 1003. Ok. Faut agrandir et il me faut un congélateur en plus. Déjà dans un premier temps. Cookie. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu racontes? Oh, pardon, monsieur. Oh là là, mais c'est quoi encore ces gens qui me rend, qui me donnent qui me donnent 100 balles pour si peu de choses. Tu t'en sors, mon chat? Fouille pas dans le sac. Chaton, tu fouilles pas dans le sac, s'il te plaît. En plus, ça fait du bruit. Vous savez, monsieur, qu'avec les pommes de terre que vous avez pris, vous pouvez en faire des frites. Vous n'êtes pas obligé de les acheter en surgelé. Doucement, Cookie. Oula, bah yonk. 134 balles en liquide, la vache. Pas remettre de l'huile hein, sur les frites, madame. Douze trente-neuf.
fait nuit tôt, hein, dans ce quartier. Pas la boire la javel, monsieur. Ouais, je sais pas si on va pouvoir mettre la l'extension, mais de toute façon, il nous faut un nouveau congélateur. Excusez-moi. Putain, ils vont m'avoir pris tous mes poulets. Je vais finir par embaucher quelqu'un, j'ai l'impression. Ne serait-ce que pour éviter que j'ai la gerbe à chaque fois, parce que ça en fait des choses à ranger après. Après, là, pour le moment, tout ce que je remets, il n'y a pas besoin de racheter. Hein. Et crispy chibi.
Oh là là. Ouais. Attendez, je finis mon chocolat parce qu'il est en train de refroidir. Et c'est quand même nettement moins bon quand c'est froid. Ah, tu t'en sors, mon chat? J'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule pizza qui est partie. Alors que j'en ai en stock. Ouais. J'en ai deux cartons, putain!
Terrible, ça rhume des foins là. Bon alors ensuite. Que le PQ ils en ont. Ah ouais. Il y a une razzia là-dedans. Et bah de temps en temps ils se font. De temps en temps ils font leur plein. Plein de PQ. D'ailleurs, moi j'ai oublié d'aller en acheter tout à l'heure. Tout va bien. Tout va ultra bien. Ça va. Faut vraiment que je fasse travailler ma tête hein, parce que. Rien sur cette étagère là. Bon, ma foi, on est pas mal. Alors, le thé qui est en baisse. Je fais une dernière journée. Et après, je vais me coucher. Dernière journée. On range le soir, on réassort le lendemain matin et après, je vais me coucher. Je suis fatiguée. Alors. J'ai pas fait les liquides. Je suis en train de tilter d'un truc. Puis j'ai pas fait cette étagère là non plus. Je crois pas, du moins. Pardon.
Tu t'en sors, mon chat? Pardon. Ok. Bon, on est pas mal. Alors, maintenant on va pouvoir voir ce qui nous manque. Parce que sinon on aurait été avec des stocks vraiment trop énormes. Il me faut un pack de 4 et 2 packs de 8 et un truc de beurre. Il me faut un de parmesan, un de thon. Un pack de lait et un d'huile de chaque. Ça passe pas. Un sel, deux de pâte.
Un turco, deux jus de fruits. Alors des patates, il m'en faut 3. Un chocolat, un Pablo, un susu. La farine bleue. Un café. Alors, des croustilles chibi, des trucs au miel. Un de chaque. Trois PQ, un savon. Un de Javel. Un spray. Et c'est tout. Et maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que je peux essayer de trouver une place pour un autre congélo?
Voilà, c'est abusé, hein, ça pourrait passer. Hein. Je sens que ça va être compliqué. Ah, mon chat. Oh la vache! Bon, ma foi, là c'est pas très opti, mais bon. Je crois que j'ai pas racheté de poulet. J'en suis même quasi certaine. Hein. Thank you.
Alors, ici. Alors. Quand même un peu la gerbe en ce jeu. Je peux pas le ranger comme ça. La loose. Je sens que je vais prendre un employé. $90. Oh la vache. Mais en même temps, ça m'évitera d'avoir un peu trop la gerbe, quoi. Allez, j'embauche. Je sais pas quand est-ce qu'il arrive, le coco, mais... Quand le magasin ouvre, peut-être. Mais du coup, ça me permettra de ne pas le faire le soir, mais de le faire que le matin pour remettre en rayon, pour...
Oh là! D'accord. T'attends quoi, mon gars? Il y a du boulot, hein? Mais c'est sûr que là, ça me permettra d'avoir un peu moins la gerbe. Le souci, c'est qu'il va pas réassortir tout, il va pas réassortir ce qui sera pas sur les rails, je pense. C'est pour ça que c'est à moi de ranger. Les produits doivent être les mêmes. Pardon. C'est pour ça que c'est à moi de ranger le plus de choses possible sur les rails. Souci, c'est que effectivement, enfin, j'ai pas la possibilité d'avoir énormément de rails de stockage non plus, quoi. Pardon mon chat. Ou alors c'est à moi de tant que le magasin est ouvert, en fait, de quand il y a des rails qui sont vides, de remettre des cartons dessus pour qu'ils les réapprovisionnent, quoi. Elle est un peu badante la musique là, non? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est laisser le magasin ouvert et puis bah dès qu'il y a un carton, dès qu'il y a une place. De libre dans le rail, et ben. Et ben le remplir, quoi. À mon avis, il va pas être programmé pour prendre les cartons comme ça. Après, je me gourre peut-être. Putain, j'en ai repris qu'une boîte. Pas grave.
Et on prendra un caissier quand on aura la possibilité d'agrandir, hein, parce que là... Parce que là, j'ai moitié encore la gerbe. Hein. Je pense que 4 heures de live sur ces jeux-là, sur ce jeu-là, ça va être limite ce qu'il faut. Hein. Je vais pas pouvoir faire plus. Hein. Allez, on va pouvoir lancer la dernière journée. Et je pense qu'on va... On va mettre des trucs sur les rails. Est-ce qu'il nous reste de la place? Un petit peu. Allez, courage Sarah. Comme ça, il y a des trucs sur les rails un peu partout. On est parti. On le teste. Puis au pire, on le licencie. Bon, en tout cas, ça fait déjà deux fois que je le vois dans le magasin. C'est pas mal.
tout ce qu'il est en train de faire là, c'est des trucs que j'aurais pas besoin de refaire après. Ça va, mon chat? Moi, réellement, tenir la caisse, c'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que ranger, c'est drôle. Salut Rose, comment ça va? Moi, ça va. Le jeu, il me faut un peu la gerbe quand même. Mais ça va. Mais c'est parce que c'est en vue à la première personne en fait. Du coup là j'ai pris quelqu'un, j'ai embauché quelqu'un. Comme ça et bah il y a déjà une des tâches qui me donne le plus la gerbe que c'est lui qui fait. Ça va juste que je dors sur le canapé à cause d'une araignée dans mon lit. Oh merde! Ouais je comprends. Bah en fait ces jeux là ils ont tendance à me foutre un peu la gerbe. C'est pour ça que je fais des lives hyper courts quand, quand c'est des jeux comme ça. Là par exemple je termine et puis je termine la journée, on range le magasin et je vais aller me coucher. Parce que c'est vraiment compliqué là. Le pire c'est qu'elle a disparu. Ah bah c'est tout le temps ça hein. Les araignées, c'est pas quand on les voit que c'est le pire. C'est quand on les voit et qu'après on les voit plus. Ça se comprend. Bah oui, non, mais c'est, je sais bien que vous êtes compréhensif sur cette chaîne. Mais c'est vrai que c'est des jeux comme ça. Là, ça fait presque 4 heures que je suis dessus. 4 heures, c'est bien. Mais me balader dans les rayons, regarder à droite, à gauche. Alors, c'est drôle, hein, mais à petite dose, parce que sinon, c'est un peu gerbant, quoi. C'est clair. Merci pour ton follow, Sunshinedi. Bienvenue chez les Pinous. Ça doit être Sunshine d'ailleurs. Sunshine D. Je viens de soutenir, c'est gentil. T'es adorable, j'espère que tu vas bien. Sunshine, bah oui. Je me suis doutée. En le relisant, j'ai fait... Mais en fait, c'est Shine, après. Très bien, je bosse en même temps que je regarde ton stream. Il y en a beaucoup qui font ça. J'espère que du coup, ça vous permet de passer à ce long moment, ce moment difficile, qui peut être difficile, un peu plus calmement. Oui, il y a du monde à la caisse, j'arrive, je me dépêche. Oh là là, ils sont râleurs dans ce quartier.
Bah, je bosse sur le jeu concurrent de Supermarket Simulator. Ah oui? Tu bosses sur quoi? C'est quoi comme jeu? Oui, bien sûr. Bien sûr, Sarah. Les caisses sont pleines. Oui, bah deux secondes. Putain, il y en a du monde. House of West, un jeu XXL dans un Ikea géant, nettoyage, caisse, rangement, etc. Création de tes propres meubles en coop à 4 avec graphisme des 6. Ça doit être trop bien. Mais ça me parle... Ça me parle, non. J'ai déjà dû voir ça quelque part. Est-ce qu'il me ferait un peu moins mal au crâne, le jeu? Parce que là, vraiment, c'est un peu... C'est un peu compliqué, hein. J'ai l'impression quand même qu'il ne prend pas les cartons quand quand ils sont pas sur les rails. Hein. Allez, on va le laisser faire son boulot. Hein. Allez, vas-y, Francis, on te regarde faire. Bah, je suis le créateur de House of West et on a eu de la pub de la part de Microsoft. Non, mais attends, faut que je regarde. Ça me parle vraiment. Pendant qu'on regarde Francis travailler, hein, je regarde. Pourquoi je trouve pas? Ça me met un jeu d'horreur. House of West. Je t'ai follow sur Insta, tu as des screens du jeu. Alors. Attends, est-ce qu'on va donner du taf à Francis quand même? C'est gentil Francis, mais faut qu'il bosse, hein. Pas payé à rien foutre quand même. Ah, le URL. Mais ça va être trop beau en fait. Mais par contre, je pense que c'est encore le genre de jeu où je vais avoir mal au crâne. Mais il est trop beau. Et tu travailles sur les designs? Bon, a priori sur tout ce qui est motion aussi. Trop bien. Ça va, Francis? Tu t'en sors? J'adore les affiches là avec
avec les hot dogs. Mais c'est génial, n'empêche. Bravo. Je suis artiste 3D, je fais les décors. Ok. Bah, chapeau, hein. Vraiment, bravo. J'ai suivi ton Insta, du coup. J'ai hâte de voir la suite. Et n'hésite pas, hein, si tu veux présenter ton travail sur le Discord aussi pour avoir un peu plus de gens qui te suivent. N'hésite pas. Tu peux. Oh, la vache, j'ai mal au crâne. Ça va, Francis ? Je suis un ancien dev professionnel, Sea of Thieves, Sims 4 et Overwatch. Wow, sacré CV. J'ai décidé de monter mon propre studio. Bah et donc ? C'est pas n'importe quel jeu, n'empêche. Par contre, ce qui est con, c'est que Francis, tant que le magasin il est fermé, il travaille pas. Donc du coup, le matin, je suis obligée de me taper quand même le réassort, quoi. Et toi, tu ranges des patates, c'est ça. Bah en fait, c'est parce que je peux pas ranger sur les rails les patates, donc... Tu me dis quand t'as fini, Francis, hein, qu'on ferme la boutique, hein, parce qu'on va pas rester là jusqu'à minuit, hein. Je me suis permis de rejoindre ton Discord, je te remercie pour l'invitation. Mais il n'y a aucun problème, n'hésite pas à partager. C'est... Enfin, au contraire. Parce que franchement, chapeau. Hein. Moi à côté, je fais le what dans 15 jours. Autant dire que ça va être pas du grand art. Grouille-toi, Francis, c'est ça. Putain, Francis, on veut tous rentrer chez nous, là. N'empêche, ça me va bien. Qui range à ma place, ça me va très très bien. Parce que vraiment, je commençais un peu à avoir la gerbe, quand même. Francis ? Francis ? Faut pas 3 heures pour ranger un carton, Francis. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain, il est buggé. C'est quoi le carton que t'as dans les mains, Francis ? Du miel ? Ouais, bah ouais. Mmh. Bon, bah, je te laisse là, hein. Tant que je te tiens, si tu devais ajouter des trucs supplémentaires au jeu, ce serait quoi? Comme ça, je prends les idées pour améliorer les miens. Là, sur le jeu, moi, je trouve que ce qui manque... Alors, il parle de mettre des vols à l'étalage et tout ça. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Moi, franchement, je trouve que... Enfin, j'en avais parlé sur l'autre live de ce qui manquait. Alors, de mémoire, j'avais parlé des cartes fidélité. Qu'est-ce que j'avais parlé d'autre ? Ils vont faire les DLC, mais ça, c'est pareil. Je trouve que c'est un peu coton. Après, le jeu en lui-même, il est pas hyper moche, mais il y a quand même pas mal de bugs, quoi. Oh putain, Francis, il est toujours bloqué au rayon. Ah.
punaise. Non mais Francine, le carton de miel, bordel. Mais ça va pas, hein. Mais... C'est palpitant. De la musique aussi hein, sur ce jeu, il manque ça manque cruellement de musique. Des haut-parleurs dans le magasin avec avec possibilité de diffuser un peu de musique, ça serait pas de refus quoi. Puis après bon bah il est pas moche mais vraiment il y a des trucs à améliorer. Hein. Alors certes, il est en dev. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses à revoir. Mais si je pense à d'autres trucs, j'hésiterai pas à te redire. Justement, dans mon jeu, les joueurs auront la possibilité de jouer avec le micro du magasin. Oh, ça, c'est trop bien. Oh, ça, c'est trop, trop bien. C'est une trop, trop bonne idée. Genre, le petit Timothée est attendu à la caisse centrale. Ses parents, les parents du petit Timothée le cherchent. Tu dis quand t'as fini, Francis, hein, que j'achète ce qu'il faut. Hein. Ah, il a fini. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter? Alors, il faut... des œufs par 4. Oh putain, ça me fait mal aux yeux. Hein. Donc je vais pouvoir dire Sarah et demander à l'accueil, merci. Et de ranger les rayons. Non mais moi les jeux à la première personne comme ça, enfin en vue première personne, ça me fait mal au crâne et ça me fout la gerbe. Alors si les gens peuvent ranger les rayons à ma place, moi ça m'arrange bien. Alors des œufs par 4, du lait. Des œufs par 4, du lait. Des œufs par 4. Je sais pas s'il en faut un ou deux, je sais plus. Du lait. Merci pour le follow, Sunshine. Il y a deux Sunshine. Non, il y en faut qu'un. Par contre, du lait, il en faut deux. Apparemment. Bon, alors, comment on va dire? Sunshine D? Sunshine D? Sunshine 180? Beaucoup de sunshine! Bienvenue en tout cas! Un yaourt, un comté... Bah, un de tout en fait. Elle est un peu badante la musique. Elle est trop badante la musique même, je vais l'enlever. Oui, par exemple. On va faire les congélos d'abord. Un truc de frites. Un truc de poulet. Tu vois, par exemple, Francis, ce qui serait bien, là, c'est que tu commences à ranger. Ça serait bien, là, Francis. Tu vois, là, il y a des cartons, là, Francis.
Francis est débilou. Francis a le a une carte d'inval et est un travailleur handicapé. un d'huile de chaque, un de lait. Alors, c'est même pire qu'un travailleur handicapé, là. Les travailleurs handicapés, au moins, ils bossent. Deudry, Ansel, deux de pattes. J'ai un doute. Deux de riz. Un de sel, deux de pâte. Donc un riz de plus. Un pâte, un spaghetti. Un de cola, un de Sprite, un de jus d'orange. Trois de patates. Un bonbon. Un Pablo. Un susu. Un de pain de mie. Oh putain, mais c'est pas vrai ça. Un pain de mie. Et deux de farine pour les deux. Un café, un thé, un gâteau. Alors, 1, 2, 3 rouleaux de PQ. Un shampoing. Un de Javel.
normalement, c'est tout ce dont j'ai besoin. Un autre sunshine, oui! Plein de sunshine. Allez, allez Francis au boulot. Francis au boulot! Putain, c'est une blague. Francis, il y avait encore de la javel. Tu te fous de ma gueule, Francis. J'ai acheté de la javel alors qu'il restait de la javel. Oh, Francis! Je sens qu'on va pas être copains, Francis. Pareil, je crois que j'ai commandé du jus d'orange ou du jus de pomme. Alors qu'il en restait. C'est un peu le bazar dans cette réserve. Oh non. Francis, il y a encore du boulot là. Putain, il est vraiment payé à rien foutre lui. Hein. Regarde-moi ça, j'ai commandé de la javel alors qu'on en avait encore. Même dingue ça. Allez Francis, du nerf. On peut mettre plusieurs cartons. Ok. Très bien.
peux savoir ce que tu fais, Francis? Il est tellement buggé. Oh, j'ai la gerbe. Oh, finesse. Francis! Mais il est buggé, hein. Oh là là. J'ai baissé de niveau au niveau du magasin. J'étais à 21, je crois bien. J'ai l'impression d'être dans un bad trip, quoi. Enfin... Francis! Il y a des cartons partout. Les mecs, ils bougent pas, quoi. Je suis obligée de continuer à faire des piles de cartons parce que monsieur ne prend que les cartons qui sont sur les rails, quoi.
J'ai l'impression de jouer à un jeu de société où il faut pas faire tomber. Ça va tomber. Oh, comment voulez-vous que je n'ai pas la gerbe? Oh, c'est terrible. Oh, c'est du grand art, hein. Et impressionnant. Franchement, le jeu, il pourrait dire bon bah il y a des cartons, range quoi, enfin. Me rends compte qu'il y a des trucs qui pourraient être rangés. Bon allez, c'est bon, ça commence à me gonfler. Je fais une pause. non mais parce que là concrètement
j'ai mon chat qui commence à pleurer. Cookie! Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ouais. Allez. Mais là, c'est même un carton que j'ai pas mis tout de suite. Je te préviens, Francis, s'il y a des trous dans les rayons, t'es viré. Tu es sûr de toi, Francis? Je peux vérifier. Tu te fous de ma gueule, Francis? Mais les rayons, ils sont pas pleins. Regardez-moi ça, il manque de la mozza. Il manque des yaourts. Il manque du lait. Il manque du jus d'orange. Il se fout de ma gueule. Et la mozza, elle est là!
Comment ça se fait que c'est écrit 0 d'ailleurs? Francis! Il est pas assez payé. Il va être viré, oui. Mais il manque de la javel. Non mais... Il manque du sel, du riz, des pâtes. J'avais pas vu qu'on pouvait augmenter la taille de la réserve. Alors, là, on va mettre le frais. Si tu augmentes encore une fois, tu pourras passer par la porte intérieure. Oui. Alors, sauf que la porte intérieure, elle est bloquée par une de mes étagères. Je vais aller dodo. Bonne nuit à tous. Je pose mon leurre. Que ça marche, Rose. Des bisous. Bonne nuit à toi. Merde, je suis tout tombé. Oh, Cookie! Oh, mais merde!
Il est temps que je m'arrête, hein, parce que j'ai vraiment mal au cœur. Hein. Salut Rem! Je n'oublierai pas de me sub avant d'aller me coucher. Merci pour ton resub. Comment tu vas? Ça va, pas trop en galère à ce que je vois. Bah, j'ai la gerbe en fait. J'ai mal au cœur. Et Francis, il fait pas son boulot. Comment ça se fait? C'est nouveau ça? Bah en fait regarde, il est là. Et je sais pas, il fait acte de présence quoi. Il est en grève, c'est ça. Par contre, il est clair qu'il va falloir que je range autrement, mais après... Enfin, après, c'est à lui de trouver les cartons. Enfin, merde, il est payé pour ça. Non, mais j'ai deux... J'ai deux boîtes de sel, quoi. Ça, c'est de la faute de Francis. Voilà, par exemple. Genre, Francky te fiche la gerbe comme ça. Non, mais faut le virer, lui. Alors, c'est pas ça. Tu fais des raccourcis, Rem. Non, Francis ne fait pas son boulot. Et moi, c'est le genre de jeu qui me fout la gerbe. Il me faut vraiment une étagère supplémentaire au moins, quoi. Bon, je fais une dernière journée, histoire de... Ah bon, première fois que j'entends ça, alors. De quoi ? Que les jeux à la première personne, ça me fout la gerbe. Ah si si, bah c'est pas nouveau. Rappelle-toi, j'ai joué à...
Comment ça s'appelait déjà le jeu? Oh! Le jeu où on incarne le... Le comment... une nana là qui a une maladie de peau là. Et elle part chercher son mari sur une île. C'est super liminal, ça m'avait foutu la gerbe aussi, ouais. Oh merde, comment qu'il s'appelait ce jeu? C'est hyper clair. Comment décrire un jeu, mais de façon la pire possible, et allez-y trouver le titre du jeu, quoi. On va jouer à un jeu. Ah non, tu parles de Call of the Sea. C'est ça, Call of the Sea. Non mais Super Liminal, ça m'avait foutu la gerbe aussi. Hein. Bon bah, il y a des cartons partout, Francis. Hein. Si tu veux un de ces quatre, tu peux ranger. Hein, parce que bon, t'es payé pour ça à la base. Allez, une petite d'air. Histoire de... Histoire que tu sois pas venu pour rien, Rem. Histoire de faire travailler un peu Francis. Une petite dernière. Et après, je vais me coucher parce que là, je n'en peux plus. Là. Allez, Francis. Allez, tu vas y arriver, Francis. Si les cartons ne sont pas sur les étagères, il les prendra pas. Je sais, j'avais vu. J'ai vu. Mais il me faut une autre étagère, du coup. Ah oui, j'avais pas vu l'heure. Non, ça va. En vrai, l'heure, c'est pas grave. Mais effectivement, on est sur un jeu. Première personne, donc qui me fout mal au crâne et mal au cœur. Donc, 5 heures de live, c'est ce qu'il faut. Mais j'ai pas les moyens d'acheter une étagère supplémentaire pour le moment, donc... Puis alors demain, en plus, j'ai un rendez-vous médical, va falloir que je sois en forme. Oh, ça va être trop dur demain. Oh, pardon. Enfin, a priori, même quand elles sont sur les quand ils sont sur les étagères, les produits, il les prend pas puisque il faut réachalander certains rayons et il le fait pas. Allez, Francis, promis, ça va bien se passer.
Suivant. Ah si, un truc que je trouvais trop drôle, c'était ça aurait été de rajouter les trucs de vous voulez arrondir pour une association? J'ai pas revu les prix. Bah tant pis. Hein. Pour aujourd'hui, c'est cadeau. Il a pas trouvé de poulet. Pourtant, je suis sûre, Francis, qu'il y a du poulet dans la réserve. C'est le poulet qui avait augmenté. Tu m'étonnes, ils se le sont arrachés. Ah, les gens qui font la pointe. J'ai pas trouvé de poulet, je sais! J'ai pas trouvé de poulet, oui! On a compris! Fallait que je mette un peu plus de poulet dans la réserve, voilà. C'est ma faute. Ne tapez pas sur Francis, s'il vous plaît. Là, pour le coup, il y est pour rien. C'est bon ?
Putain, on y voit comme dans un four là-dedans. Y a pas de lumière? Non, mais sinon, Francis, on terminera demain. Hein. Il est d'une lenteur, Francis. Pour ça, on se retrouve avec des rayons vides. Il y a des livreurs Amazon à cette heure-là ou pas? Bon bah comme d'hab, hein, on va le regarder travailler. C'est intéressant. Pardon. N'empêche, après, le magasin, il s'auto-suffit. Hein. Il suffit de cliquer sur ouvrir et puis après, il y a les caissiers, il y a les gens qui rangent. La seule chose après, c'est de regarder au niveau du stockage qui est toujours des trucs, quoi. Ça devient un autre jeu. Ça devient du « je ne suis plus dans les rayons, je vais dans la pièce de stockage, je vérifie qu'il y a toujours des trucs dans les dans le truc de stockage. » C'est un autre jeu. Ce qui serait bien, c'est des mecs qui rangent dans la pièce de stockage, par contre. Parce que bon, c'est bien, hein. Les cartons qui arrivent sur le bord de la route. Les cartons, ils arrivent sur le bord de la route. Puis bah, personne ne bouge. Francis, il est là, devant, avec son vélo, devant le magasin. Genre, il y a des cartons sur le trottoir. Ouais. Il y a plein de cartons sur le trottoir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tous ces cartons qui sont sur le trottoir? Bah, les ranger, du con. En fait. À la base, t'es payé pour ça. C'est quoi la musique là? Bizarrement, là, il y a énormément de trucs à mettre en rayon, quoi. Je veux voir un truc. Parce qu'il est hyper long, en fait. Tu m'étonnes que les gens, ils trouvent pas ce qu'ils cherchent dans les rayons. Il faut 6 rails et un niveau 22. Et là, j'en suis à 3. Non, 4. Bah. 3 sur 1, 4 sur 6.
Quoi? En vrai, ça serait bien d'agrandir et de mettre une caisse supplémentaire. Ah, la fille qui va plus rien foutre sur le jeu. T'en es où, Francis? Le matin, il est moins efficace que ça quand même. Hein. Je vais ranger après, hein, c'est promis. J'en ai marre que ça s'ouvre comme ça à chaque fois. Je sais pas où il a pris le dernier carton. Francis ? Bon allez, vide-moi ces étagères qu'on n'en parle plus. On va attendre qu'il ait fini, hein. J'ai remis les patates ou pas? C'est passionnant. Regardez quelqu'un qui bosse. Tu dis Francis, hein, si t'as besoin d'aide.
Vous avez mangé quoi ce soir? On a le temps de papoter, hein. Moi, j'ai mal au bide. Franchement, je suis pas bien. Vivement demain. Bonne nuit de sommeil. Une diète de 24 heures, ça va me faire du bien. Tu dis quand t'as fini, Francis, hein? Qu'on rentre chez nous quand même, hein? C'est bon? T'es sûr, hein? Pizza, beurre, café. Pizza, beurre, café. Ok, alors, réfléchissons vite et bien. Je fais juste le réassort des rayons. Je suis sûre qu'on a du jus d'orange quelque part. Je fais juste le réachalandage des rayons. Et après, je vais dodo. Alors. Regardez-moi tout ce jus d'orange. Pourquoi le jeu il dit qu'il y en a zéro alors que le carton est plein? Alors, réfléchissons vite, réfléchissons bien. On va vider une étagère déjà. On va réfléchir autrement. Donc là, on va mettre les produits d'entretien déjà. Alors, le shampoing. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire confiance à Francis. Sauf que je ne suis pas sûre qu'on puisse faire confiance à Francis. ok. Donc ça, ok. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est se dire...
C'est se dire faisons confiance à Francis. Je suis pas sûre que j'ai envie de faire confiance à Francis, moi perso, mais. Quoi ça? Gâteau. Oui, Francis? Qu'y a-t-il? Il me fait un peu peur hein, quand même, Francis. On avait pas un autre carton d'œuf? Voilà. Alors, réfléchissons vite, réfléchissons bien. Combien il y a d'articles en tout? Beaucoup trop.
Ok, je file maintenant au dodo, sinon demain ça va être coton. Bonne nuit, les pinous. Bonne nuit, Rem. À très vite. Mais là, de toute façon, je vais. Je finis ça et je vais aller dodo aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 48. 48. Je vais tortiner mes travaux sur le serveur Minecraft. Oui ? Alors, 48. Donc, 48. On a 48 produits. En tout. Là, aujourd'hui. Et on a des étagères de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8. Divisé par 8. Donc, il nous faut 6 étagères en tout. Là, on en a 4. Donc, il m'en faut 2 déjà. Et ensuite, ce qu'on va faire... C'est que je suis ma boule. Donc 2, ok. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Vous savez quoi? Allez, YOLO. Je vais faire un prêt à la banque. Je sais même pas où j'en étais. Il me manque 141.
Remboursement en 10 jours, ça devrait le faire. Allez. Et maintenant, c'est là que ça devient drôle. Elle est où la deuxième étagère? Alors là, Francis, t'as intérêt à pas te rater, hein. Putain de merde. Alors, du lait. Bon, à mon avis, il a encore bugué, hein, le machin.
Fait un peu peur. Ah. Ça bouge, ça bouge. Faut que je rachète du papier toilette, je pense. Et des patates. Bon, finalement, c'est là que je vais avoir la gerbe. Hein. Aussi encore. Excusez-moi.
Finalement, j'aurais dû prendre un prêt plus grand. Là, normalement, on avait acheté un peu de tout. Il nous reste des étagères de libre. D'accord. Et donc là, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il y a des pâtes et des spaghettis qui manquent. Merde. Pâtes et spaghettis. Faut du papier toilette. C'est pareil, on a une case vide. Donc pâtes, spaghettis. Papier toilette. Et du pain.
Allez, je le fais pour toi, Gunga. Parce que sinon, je suis pas couchée, hein. Il est déjà 2h30. Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller dormir. Voilà, ma foi, cette fois-ci, je pense qu'on est bon. Bon! Eh ben, on va s'arrêter là. On va vérifier le travail de Francis. Ah, il manque toujours une mozza, hein. Il manque une boîte d'œufs, du beurre. Bon, allez. Oh, il manque de l'huile. Francis. Bref. Moi, je m'arrête là. Parce que là, j'ai vraiment la gerbe. Et il faut vraiment que j'aille dormir. Ça ira mieux demain. Les pinous. Je crois que j'ai abusé. Je fais pas de raid, il est trop tard et en plus je suis pas en état. Je vous fais plein d'énormes bisous les pinous. Merci d'avoir été présents, merci pour les nouveaux sur la chaîne. Bienvenue à vous. Et j'espère que vous plairez au terrier. Je vous fais plein d'énormes bisous les pinous. Merci énormément pour votre présence et votre bienveillance. Je vous retrouve mercredi. Alors, pour je ne sais pas quoi, comme je vous ai expliqué, là, aujourd'hui, je vais jouer un peu à l'envi. Et ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas du tout à ce à quoi je vais jouer. On verra. Bref, plein d'énormes bisous, les pinous, merci encore. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit de beau et doux rêve. Et je vous dis à très vite pour un prochain live. N'hésitez pas à suivre également la chaîne YouTube, car en ce moment, il y a pas mal de vidéos hors live qui sortent. Notamment sur du Animal Crossing. Plein de bisous les pinous, bonne nuit, de beaux et doux rêves. Et je vous dis à très vite, des bisous, ciao ciao. Et moi je file parce que là franchement... Enfin faut que je fasse quand même la VOD pour demain matin, mais là je suis cassée. Des bisous, ciao ciao.